d'abord, pour avoir une bonne hygiène beauté, on commence toujours par nettoyer sa peau et appliquer un tonique. Ensuite, on va aller appliquer notre sérum le matin et le soir avant notre crème. Le sérum, c'est vraiment le concentré, c'est l'onguent, c'est ce qui va le plus loin dans votre peau et c'est ce qui va vous donner le plus de résultats. Il faut ensuite mettre notre crème, évidemment, pour sceller le sérum, mais aussi pour hydrater et protéger. Et il ne faut pas oublier de toujours réchauffer les produits et de les appliquer avec des pressions. De cette manière-là, vous allez éviter de faire des gestes circulaires et vous allez prévenir pour l'élasticité de votre peau. Évitez toujours les fonds de teint lourds et couvrants. Utilisez plutôt un fond de teint comme le Skin Illusion de Clarins que j'utilise ici. Celui-là procure vraiment une douce luminosité et des reflets de lumière. Également à éviter les poudres mates. Ça donne un effet sec, un fini plat sans dimension et ça accentue les rides contrairement aux croyances populaires. Les produits également au fini brillant et métallique attirent l'attention sur certaines régions. Donc on va opter pour un fini qui est satiné. Avant de débuter votre maquillage, commencez toujours par mettre une bonne base d'ombre à paupières. Comme ça, on va repousser la production de sébum sur la paupière et on va garder notre maquillage plus longtemps. Les blushs crème rose et pêche donnent un effet lumineux et un éclat de jeunesse. Si vous avez une peau qui est plutôt mixte à grasse, utilisez une poudre lumineuse et appliquez-la avec un gros pinceau pour polir et ne pas accentuer les rides. Évitez l'excès de sucre, d'alcool et de caféine, car ces aliments accélèrent le processus de vieillissement de la peau. Plutôt, optez pour des aliments qui sont riches en antioxydants. Mangez des fruits et des légumes crus, ça aide à l'apport en minéraux et enzymes. Utilisez des acides gras dans votre alimentation parce que c'est fantastique pour la peau, les cheveux et les ongles. En plus de vous apporter du bien-être, une tonne d'endorphines est produite par votre corps. Ça augmente la circulation, alors plus de nutriments sont amenés à votre peau, ce qui relance le renouvellement. 3 séances de 30 minutes sont recommandées par semaine. Enlevez votre maquillage chaque soir, car dormir avec du maquillage ou ne pas nettoyer sa peau de la pollution accumulée durant le jour accélère le vieillissement de la peau. La surface de la peau devient plus mince avec le temps. Les cellules se séparent et se régénèrent plus lentement et la peau morte ne s'élimine plus aussi facilement. Alors utilisez un doux exfoliant deux fois par semaine et ensuite appliquez un masque hydratant pour optimiser la condition de votre peau. Le soir, massez la peau avec de l'huile pour assouplir et restaurer l'élasticité. Cela aide à la circulation en plus de l'hydrater. La peau se répare la nuit quand on dort. Assurez-vous de dormir 8 heures et de mettre un sérum et une crème de nuit plus riche pour stimuler la régénération. Et voilà, c'est ce qui met fin à ma capsule 10 trucs pour rester plus jeune plus longtemps. Merci à tout le monde qui partageait et aimait cette vidéo. On se revoit lors de la prochaine capsule.